Je vais vous présenter les espaces extérieurs du Swift Troller 41. Tout d'abord, voici la large plateforme de bain qui offre un espace de stockage pour l'annexe ainsi qu'une fonctionnalité agréable pour la baignade avec son échelle type piscine qui est sécurisante. L'accès au cockpit se fait par ce portillon. Très facile d'accès. Le niveau de plain-pied entre la plage de bain et le cockpit permet d'accueillir astucieusement une banquette coulissante sur rail pour agrandir le carré et gagner en convivialité. Et pour toujours plus d'espace dans le cockpit, l'échelle de fly se rétracte très facilement. Sous le plancher se trouve un grand coffre de rangement. Il permet d'accueillir paddle, vélo pliable, etc. C'est aussi l'endroit qui permet d'accueillir les options générateur ou désalinisateur. Les larges passes avant permettent d'accéder de façon sécurisante au pont avant. Nous nous trouvons désormais sur la spacieuse plage avant. Des bains de soleil sont disponibles en option, mais nous y trouvons également la baie à mouillage.